Et, et donc, de devenir prof a changé quelque chose parce que, euh, euh, ben bah, là aussi, euh, là j'étais je, 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 censée leur parler de philosophie des sciences et, et je savais qu'il y avait une chose que je voulais obtenir, je dirais pas par tous les moyens, mais en tout cas, euh, Plutôt que de leur faire retenir ou comprendre des grandes discussions, euh, euh, que ce soit à propos des sciences ou à propos de, de, de l'épistémologie, euh, euh, eh euh, je, je voulais que dans leur vie de philosophe, à ces étudiants, à étudiants de philosophie, il ne recourt pas à ces, ces espèces de généralités du genre la science est objective mais il y a la subjectivité etc euh, ou bien la science est manipulatoire et il y a la liberté enfin toutes ces, ces espèces d'oppositions qu'on retrouve partout je voulais les en dégoûter donc il fallait c'est là qu'il fallait problématiser autrement hein. et, et donc leur poser, la, poser avec eux la question euh, euh, comment parler des sciences dans dans leur généralité et j'ai expérimenté avec ça euh, toute ma carrière avec euh, en donnant plus d'autres cours notamment sur Whitehead qui m'ont qui m'ont vraiment euh, permis d'avoir le courage d'écrire sur Whitehead qui était toujours dans ma tête hein, depuis euh, j'ai jamais oublié euh, et enfin, il m'avait fait. Euh, euh, Donnarowé parle de compost. Oui, il était dans mon compost. <laughs> mais j'en parlais pas, sauf à, à, dans la conclusion de la Nouvelle Alliance. J'étais jeune, je ne doutais de rien. <laughs> la bonne volonté est un grand défaut. <laughs> euh, mais, mais là, euh, donc la, la, la dimension. Euh, Qu'est-ce que la science Ça ne pouvait pas être simplement euh, qu'est-ce qu'une science expérimentale, ou, euh, etc. Ça devait aussi entrer dans les questions d'expertise, dans les questions d'autorité scientifique, dans toutes ces questions-là euh, qu'on rencontre latéralement quand on s'occupe de la pluralité des sciences. Euh, mais qu'on ne, qui ne, qu ne traite pas en tant que tel, en tant que problème. Donc il fallait prendre les sciences dans leur, euh, dans leur réalité institutionnelle aussi. Et, 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 un, et sans que pour autant elles soient réduites à ça. L'autorité joue un rôle énorme dans les sciences, mais. Euh, ça ne veut pas dire que les sciences, euh, comment dirais-je, euh, sont un exercice d'autorité. Euh, donc il fallait sans cesse fabriquer des, des, des oui et, oui, mais et jamais. Mm. Euh, C'est comme ça. Euh, par exemple, il fallait leur dire, euh, ben oui, euh, regardez la différence entre... Euh, et c'est là que la, la, la dimension collective des sciences que j'avais bien appris chez Prigogine, très fortement, c'était un lieu très vivant, mais que j'avais vu ailleurs, euh, importait beaucoup, puisque c'était euh, euh, très différent de dire le collectif a accepté tel résultat, ce qui voulait dire qu'il y a eu des des controverses qu'il y a eu, des, 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 euh, des essais de faire autrement, des essais d'interpréter autrement, et la proposition a tenu. Euh, ok, désormais, nous savons que, disent-ils, mais ce nous, c'est celui de ceux qui ont été associés à l'épreuve. Mais au moment où on commence à s'adresser à tout le monde en disant, nous savons que, et ça c'est le genre humain, ben, la notion d'autorité, à changer de sens. Donc il faut tout le temps voir qui est en jeu, qui est en train de penser, et de s'activer, qui est en situation de subir et devoir accepter, sauf à être dit irrationnel. Quoi. Donc il y avait tous ces problèmes-là et ça intervenait à un moment où les STS, sciences, techniques, sociétés, euh, se développaient. Et. Euh, dans sciences techniques société, les hasards de la vie, euh, ou notre euh, amitié commune envers michel Serres à cette époque-là euh, faisait que je connaissais bien bruno latour, et donc on avait des discussions épiques avec bruno latour euh, euh, sur, euh, sur, sur, sur euh, comment parler des sciences. on n'était pas d'accord. En fait, on n'était pas d'accord, mais il m'intéressait beaucoup parce qu'il m'a amené par rapport justement à tous ces rapports des sciences avec leurs commanditaires, avec ceux dont ils dépendent, les sciences et leurs alliés. Il m'amenait des choses que j'avais jamais vraiment abordées moi-même, quoi. Parfois par la bande, mais lui, c'était ça son champ. C'était vraiment euh, euh, pas pas le rôle de la science dans la société, mais toutes les manières dont les sciences faisaient société. Euh, at, euh, oui, intervenaient rapidement dans la définition même de ce qu'est une société. Son, son, son pasteur, il, a, il avait écrit un livre sur pasteur où on voyait vraiment un pasteur euh, inventeur d'un... D'une nouvelle composition de la société avec les invisibles euh, et l'hygiène qui allait avec pour se défendre contre ces invisibles, etc. Et, et toutes les stratégies de pasteur pour donner de l'importance à euh, ça. Euh, et donc on, on, on discutait beaucoup et, et, et je savais que Bruno, ne, et j'en discutais aussi avec les étudiants, je leur enseignais du Latour. Euh, donc euh, entre l'enseignement et la tour, j'affinais toute, toute une série de distinctions, euh, et je savais que le, le comment dirais-je, à Pierre d'achoppement entre Bruno et moi, c'était que je prétendais qu'il y avait des sciences intéressantes qu'on pouvait critiquer, mais mais, mais qui, qui, qui était intéressante, et d'autres qui étaient des pseudo-sciences. Et ça, ils n'acceptaient absolument pas. <laughs> il y avait quelque part, ben, les sciences, et des pratiques comme les autres. Et ça, c'était une espèce de... Ça voulait dire que, d'une manière, la tour était, il disait comme les autres, mais ça ne veut pas dire purement sociale, au sens où on ferait taire ce à quoi on a affaire, non mais, euh, les scientifiques font de la politique, recrutent à la fois des alliés humains et des alliés non humains. Et si le recrutement est réussi, il n'y a rien à dire, quoi. Euh, donc malheureux, vaincus, et suivons les vainqueurs. Ce sont eux qui ont réussi ce qui compte, c'est le recrutement. Donc j'étais beaucoup plus normative. Je savais que je trouvais que les, les, les pseudosciences, qui notamment imitaient euh, la physique, euh, occupait tout le terrain et empêchait des choses intéressantes de, de se risquer. Donc moi j'étais engagée. Lui il se voulait sociologue et, et, ce, et il avait publié donc euh, enfin on, on se disputait souvent et on travaillait beaucoup ensemble. Et donc en en 93, alors qu'il avait publié euh, un de ses livres importants où vraiment il propose, euh, euh, nous n'avons jamais été modernes, j'ai publié L'invention des sciences modernes, <laughs> où, disons, à la fois, euh, où une partie de la chose est d'essayer de faire comprendre à la tour ce que, pour moi, il ne voulait pas comprendre. <laughs> euh, L'affaire a continué après, mais ce qui avait d'importance, c'est que je... J'étais, je commençais ce livre en disant euh, une rumeur court parmi les scientifiques, il existerait des critiques sociologues qui euh, prétendraient que la science n'est qu'une pratique comme les autres. <laughs> et donc, et puis j'essayais là d'expliquer le type de réussite qui se vise. Euh, le type de réussite collective qui se vise euh, euh, notamment dans les sciences expérimentales et je, et je faisais aussi euh, une certaine euh, euh, catégorisation de certains types d'autres manières de faire science où ce, cette réussite-là ne peut pas être engagée. Enfin, c'était un livre assez riche. Mais ce qui est important ici, c'est que... Euh, J'affirmais que, euh, comment dirais-je, euh, peut-être que les, les sciences sont, 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 comment ne peuvent pas être distinguées de leurs alliés, etc., à la, à la tour, mais néanmoins, si la science existe, c'est parce qu'il y a une espèce de quant à soi entre collègues qui doivent vérifier que ça tient. Et maudit soit celui qui essaye d'en appeler à une autorité extérieure ou à des les intérêts de, des alliés pour court-circuiter court ce type de réussite-là. Donc oui, c'est une pratique sociale, oui, les alliés, oui, etc. Mais c'est une pratique euh, où le fait que ça tienne est ce qui nous, les, les scientifiques, ensemble. Donc euh, ça, c'était un des, 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 des thèmes où j'affrontais la tour. Enfin, j'essayais je, de le modifier. Euh, pas vraiment réussi, sauf que à la même époque, euh, cette première phrase, en fait, euh, devenait une phrase prophétique. <laughs> enfin, non, euh, j'avais senti que si, si moi ça m'énervait, combien ça devait énerver les scientifiques. De faire comme si. Euh, de, de, de laisser ouverte la, la, euh, le, le fait que ça pourrait être un pur succès social euh, et qu'on euh, peut recruter euh, comme on. Enfin, oui, parce que dans cette idée de recrutement des deux côtés, qui était celle que la tour employait pour s'y maîtriser, eh bien, euh, comme on, on est assez euh, misanthrope euh, chez les humains, euh, on sait qu'on peut recruter pour de très mauvaises raisons on peut corrompre on peut etc donc la réussite du recrutement c'est pas quelque chose qu'on va honorer. et du coup si c'est le même mot qui est employé pour les, les neutrons les, etc on va dire bah ben oui c'est aussi pour des mauvaises raisons <laughs> ça se bricole aussi que n'importe quoi donc non ça va pas quoi non il faut, il faut, il faut que les, la dualité des opérations soit non pas opposée, comme si un côté était irrationnel et l'autre rationnel, mais soit fortement contrasté, de telle sorte que d'ailleurs celui qui mélange les deux euh, peut être tout à fait, euh, comment dirais-je, blackboulé. Eh bien, à ce moment-là, explosait la guerre des sciences, et la tour était accusée d'être un relativisme. Euh, D'être un relativiste qui nie l'objectivité scientifique. Et il a été malheureux, 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 parce que pour lui, il voulait dire du bien des sciences. <laughs> et, et là, on a commencé à, à plus. plutôt que de, de, de jouer ensemble, euh, mais avec des disputes chaque fois qu'on qu euh, qu parlait de comment parler des sciences, euh, de de collaborer ensemble, quoi, de, de travailler ensemble. Et ça a été le, le début d'une du, histoire, euh, d'une histoire qui, où, où il m'a appris, je lui ai appris, on, on a lancé la balle, donc qui est une histoire extrêmement importante. Mais, euh, ceci dit, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui, pour moi, était... Important à ce moment-là, c'était justement de. Euh, c'est ce que, quelque chose que j'ai appris euh, et que j'introduisais déjà dans l'invention des sciences modernes, parce que c'est un livre assez plein comme un œuf, il, il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses. Euh, mais qu'est-ce que. Euh, qu'est-ce qui m'intéressait Ce qui m'intéressait aussi dans ces, dans ces histoires, c'était de. Euh, de décrire les sciences euh, dans leur milieu. C'est-à-dire de, de, savoir, de savoir que justement, si, si les, le, quel type d'autorité les sciences peuvent euh, revendiquer dépend du milieu jamais revendiqué dans le, les trois milieux de ce que j'appelle les collègues compétents, c'est-à-dire ceux qui doivent accepter la réussite, ceux par qui la réussite passe. Ça, c'est un milieu dont vous pourrez dire c'est un milieu qui, quand ça marche bien, est d'intelligence collective. La présence de ce milieu-là rend chaque scientifique, et ça, je l'avais vu chez Prigogine, plus, plus intelligent qu'il ne le serait sans. C'est parce qu'il sait que ses collègues vont objecter qu'il va plus loin. Donc l'objection euh, est vitale. Un scientifique qui, euh, qui croit qu'il a raison tout seul et que ses collègues sont des imbéciles, est, il est foutu. Il est foutu parce qu'il euh, a perdu son oxygène. Il peut rater, il peut ne pas convaincre, tant pis. Mais en tout cas, il ne peut pas dire j'ai raison et les autres ont tort. Euh, non, il doit en passer par les autres, ça fait partie des règles du métier, la, la science est collective. Euh, par contre, dès qu'on quitte ce collectif, euh, ça peut être soit un résultat, peut-être euh, devenir un instrument qui sert à des gens qui se fichent bien du type de savoir qu'il y a dedans, du moment, c'est ce que la tour appelait une boîte noire. <laughs> On prend. Dans les, les hôpitaux, sont pleins de physique. Enfin, tous les tous les appareils de, euh, utilisent des phénomènes physiques. Dans mon mémoire de chimie, euh, j'avais utilisé un, un truc qui est qui est qui est de la résistance magnétique nucléaire, mais la RMN. Ça, c'est maintenant dans les hôpitaux. À l'époque, c'était un phénomène de laboratoire. Donc, il y a ce, ce développement-là euh, où Quelque chose qui tient, voyage, et est utilisé autrement dans les priorités, ordre d'importance de l'endroit où il va. Euh, ça, c'est pas euh, critiquable en soi. Et puis, il y a euh, le type d'autorité sociale culturelle qui s'oppose à l'opinion et qui, la euh, comment dirais-je, euh, prétend expliquer la vraie science à des gens qui ne posent pas ces questions-là, mais comme si la science répondait à leurs questions. Et, et un, ça, ça a commencé assez vite. Galilée déjà avait fait de sa réussite de laboratoire, d'observation astronomique, mais surtout de laboratoire. La, le fameux plan incliné où Galilée fait rouler ses boules que j'ai beaucoup utilisé, eh bien, il en faisait la clé pour séparer euh, les gens des faits et les gens euh, du bavardage. Avec un fait, vous vaincrez mille bavards. Hein? Bon, eh bien, oui, sauf que qu'est-ce que c'est un fait Au laboratoire, ça se vérifie. Mais euh, si on présente le fait sur le mode de l'autorité, on a montré que on laisse les gens dans, dans une ignorance euh, parfaite, euh, on leur demande d'être les bénéficiaires reconnaissants de euh, ce que sera la, de ce que seront les retombées de ce, de ce savoir. Donc il y avait là euh, des problèmes qui devenaient intensément politiques dans l'agencement des milieux. Et surtout dans cette coupure, dans cette, cette, cette euh, ce truc parfaitement légitime et qui est l'entre-soi des collègues, surtout en sciences expérimentales, pour voir si ça tient. Dont dépend la réussite, c'est une réussite collective. Et puis, dès que ce truc quitte ce, ce lieu de naissance pour s'en aller avec de l'autorité ou des savoir-faire purement techniques. L'autorité, c'est à l'école, c'est la vulgarisation, c'est l'argument d'autorité, c'est euh, la nécessité de prouver où sont vos faits pour quelqu'un qui proteste. Euh, donc c'est l'autorité, il faut des faits pour que quelque chose existe. Euh, donc c'est là euh, comment montrer à la fois l'articulation et... Euh, et penser une d'autres articulations serait possible c'est penser par le milieu les sciences que nous connaissons n'existent que parce que le milieu qui est le leur le leur permet voire les encourage à se présenter comme ça une industrie qui est en train les OGM vont venir bientôt les organismes génétiquement modifiés l'industrie qui va fabriquer des, des OGM euh, euh, agricole à semer euh, a besoin de l'autorité du laboratoire et a pas besoin de, de, de l'ensemble de ce que le laboratoire ne, de ce à quoi le laboratoire n'a pas de réponse hein? et donc il a besoin que cette autorité cache tous les endroits où il ne sait pas donc là il y avait euh, comment dirais-je euh, une aussi et, et j'ai écrit notamment un, un, un livre sur euh, euh, ça il a pris beaucoup de noms <laughs> Science et démocratie je crois un tout petit livre euh, où je disais on a les sciences qu'on mérite du point de vue de démocratie c'est-à-dire si, on se, si, si les gens ont l'habitude de se soumettre à l'autorité scientifique ou sont dénoncés parce qu'ils ne l'acceptent pas en tant qu'irrationnels, eh on aura des sciences qui se complairont dans euh, la, le, le flou entre ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils s'autorisent euh, à dire, si je peux dire. Euh, il n'y a qu'un autre milieu euh, qui peut, un milieu plus exigeant. C'est-à-dire où les controverses sont publiques et, et impliquent, non pas seulement est-ce que c'est fondé scientifiquement ou pas, ça c'est les collègues, mais, et si ça sort, qu'est-ce qui se passe Enfin, est-ce qu'on en veut de ce truc Est-ce qu'on veut. D'accord, vous savez ce que c'est un OGM, mais. Euh, euh, donc, et. Toute la question du progrès qui fait que effectivement ce que proposent les sciences est un bienfait social. Tout ça intervenait, est intervenu dans mes cours et intervenait dans dans, dans ce que dans ce que j'essayais de penser. Et il s'agissait toujours et il s'agissait de plus en plus justement de 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 de, 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 de différencier ce qui est la singularité de ce que j'allais bientôt appeler pratique scientifique, de leur singularité et de la manière dont cette singularité faisait effet étant donné ce milieu, et donc aussi ça allait bientôt venir un usage disons plutôt spéculatif parce que si on si on, si on fait la différence, c'est aussi en imaginant comment ça pourrait être autrement dans un autre milieu. C'est à la fois spéculatif et politique. Spéculatif au sens où, oui, ça pourrait être possible, on sent l'insistance d'un possible euh, d'un autre, autre type de science. Et Politique parce qu'on peut lutter aussi, on peut voir ce qui fait obstacle à ce possible. C'est pas impossible, c'est pas de l'imaginaire, hein? voilà, encore une fois, c'est pas de dire oh, si les sciences avaient de la conscience, sciences avec conscience, science euh, cultivée, etc. Ça, c'est de l'imaginaire, on voudrait simplement, on ne sait pas pourquoi ils ne le sont pas, on ne sait pas comment ils pourraient le devenir. Tandis que si on voit comment les scientifiques sont maintenus, dans cet état où euh, leur imagination est active entre eux. Et au-delà, il y a justement un imaginaire où je sers le progrès et ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui n'ont rien compris, etc. Tout ça, si on voit cette différence entre l'intensité de, de la passion scientifique de réussir et la médiocrité dès qu'ils pensent ailleurs. Qu'un biologiste dit on a besoin des OGM parce qu'on a besoin de nourrir les affamés, alors qu'il connaît rien au mécanisme de la famine, c'est débile. Mais voilà, on fabrique des gens qui sont à la fois hyper imaginatifs, actifs, entreprenants et hyper débiles dès qu'il faut s'adresser à ceux qui doivent subir ou accepter. Être reconnaissant des, des innovations scientifiques. Donc ça devenait de plus en plus politique, et je, je sais. Mais les étudiants m'aidaient à ça. Parce qu'il fallait leur parler de leur monde, et pas de qu'est-ce qu'il faut penser des sciences. Il fallait que la philosophie, euh, comment dirais-je, les aide à penser leur monde. Et là, là j'étais vraiment devenue philosophe. <laughs>